Romy Hichem, délégué du président de la Fondation de Recherche, Développement et d'Innovation en Sciences de l'Ingénierie, qui organise bien sûr avec le groupe COSUMAR le caravane Maghrib al-Ibda. L'objectif de ce caravane, c'est chercher les idées, les projets et les porteurs de projets pour toutes les bien sûr habitants de la province, des provinces où COSUMAR existe. On a commencé hier le 19 février par d'abord la province de Sidi Ben Nor et on a rencontré plus que 1050 personnes dans le premier jour du caravane Ibda, dont l'objectif de visiter tous les communes, les établissements de ces provinces. Après la province bien sûr de Sidi Ben Nor, on va aller directement à la province de Fremsar et la ville de Beni Mellal. Ensuite on va essayer d'aller vers la province Arish et la province bien sûr Sidi Qassem, Fremsar, Mcha'ab el-Qseri et l'Qsar el-Kbir. Et ensuite on va essayer d'aller vers le nord pour visiter la province Nador et la province Berkane, dont l'objectif aussi de chercher ses idées. Et on termine par la province Hajib et la province Meknès. Ensuite, on va faire le regroupement des projets déposés dans les différents domaines, l'agriculture, l'artisanat, la technologie, les services, l'environnement, l'énergie renouvelable, dont l'objectif de chercher un maximum de projets. Au départ, il y aura une première sélection qui va sélectionner environ 55 projets qui vont suivre une formation et ensuite ils vont être présentés à une autre commission nationale dont l'objectif de sélectionner une vingtaine de projets qui vont vers bien sûr le forum de Siam à Meknès le 16 avril pour présenter leur projet dont l'objectif de dégager une dizaine de projets qui seront financés par le groupe COSUMAR accompagné pendant deux années et puis ensuite formés pendant ces deux années pour leur donner un élan de créer les emplois à ces projets et de créer leur entreprise. Donc l'objectif, c'est chercher ces idées à l'échelle nationale. Il n'y a pas de limite d'âge. Chaque personne et citoyen qui a plus que 18 ans a le droit de participer à Caravane Ibda. Mounir Hassan, directeur général délégué chez COSUMAR. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement de la Caravane Ibda. Le groupe COSUMAR est en partenariat avec la Fondation de l'Innovation et des Sciences de l'Ingénieur. Donc c'est une caravane que nous avons lancé dans la région de Kuala Abda et plus précisément dans la province de Sidi Ben Nor. Donc va s'étaler sur toute la période 19 février fin mars. Il va concerner un certain nombre de régions, dont les 5 régions où nous produisons des plantes sucrières, betteraves et cannes à sucre, donc la région de Kuala Abda, la région de Bin Lakhnifra, la région d'Irabi Locos et la région de Boubia. Pendant le passage dans la région, nous allons identifier un certain nombre de projets d'innovation qui sont en relation avec le monde agricole, l'industriel, l'environnement, le social. Il n'y a aucun secteur qui... Tous les secteurs sont concernés. Et donc on va essayer d'identifier 55 projets. 5 projets par province. On va toucher 11 provinces, dont le Meknès et le Hajib à la fin. Début avril, on va essayer de développer avec les porteurs de projets toutes les idées pour sélectionner une vingtaine de projets qui feront l'objet d'une filale le 16 avril à l'occasion de l'ouverture du salon de l'agriculture à Meknès. Et parmi les 20, donc, il y aura toute une compétition pour sélectionner les 10 meilleurs projets, les 10 meilleures idées d'innovation et qui seront accompagnés dans l'avenir par la Fondation en envie de les transformer en projets réels qui vont contribuer fortement à l'économie du pays, à la création de l'emploi.